déclaration d'hier. Il est là différentes opinions inexprimées dans le bureau politique. Mais finalement, nos bureaux politiques ne fonctionnent pas en consensus, donc nous n'arrivons à un consensus et nous ne transmettons sa consensus-là, sa recommandation-là au comité central Taléala, qui n'a prouvé. C'est-à-dire qui nous délègue d'abord le bureau politique et ensuite le comité central. Mais le bureau politique, il exprime sa confiance totale en Alan et en un camarade militant, sa fille, qui l'accompagne dans toute une discussion, qui n'est pas dans mon instance, mais qui est un vrai militant, qui fait un travail extraordinaire avec Alan. Donc nous avons une confiance totale et le bureau politique, il recommande. Donc, étant donné qu'il il est dans la déclaration de Navin Ramoulam hier, il est beaucoup irrité, mais aujourd'hui, il exprime sur l'accord qui nous signe un accord écrit, MMM et Parti Travailliste, lors l'alliance entre MMM et Parti Travailliste. Mais tout le papier est signé. Donc il y a une différence d'opinion dans le bureau politique, mais finalement, il y a un consensus qui nous donne jusqu'à samedi après-midi. Il délègue Alan et nos camarades Safik. Vous continuez votre discussion. Moi, vous pourrez rentrer dans votre discussion là à chaque fois qu'il est nécessaire, d'ici samedi. Vous nous faire tout le possible pour arriver à un accord écrit, l'autre tout bon point d'un accord entre le MMM et le Parti Travailliste. Aujourd'hui, nous, 5h30 jeudi, nous avons vendredi, nous avons samedi. Samedi, 3h, nos bureaux politiques pour rejoindre à nouveau. 5h, nos comités centrales pour rejoindre à nouveau. Pour arriver à une conclusion. Donc, qui nous pour recommander à l'Assemblée déléguée dimanche matin? L'Assemblée déléguée, évidemment, maintenir. Qui nous pour recommander? Nos recommandations, les pour à la lumière de votre discussion qui a l'âme et nos camarades Safik pour gagner avec Navin Ramoulam, avec le Parti Travailliste. Et il ne voulait pas nous sa conclusion ou non d'un accord écrit entre le MMM et le président. C'est samedi donc que le bureau politique pour recommande au comité central et ensuite le comité central pour recommande à l'Assemblée de déléguer une décision. La décision c'est soit approuve ça l'accord là, approuve une alliance MMM travailliste sur la base d'un accord écrit, soit mettre fin à une discussion entre le MMM et le Parti Travailliste. C'est là le MMM foncé, il y a le seul dans l'élection générale. Voilà que nous arrivons, et c'est samedi donc, qui une décision pour prendre et pour communiquer, pour ratification.